J'ai bien aimé le Rock Phone. J'ai fait quelques parties juste avant, justement, sur un jeu de voiture. Et le jeu en lui-même est très fluide. Les graphismes sont... Ils m'ont d'ailleurs vachement impressionné parce que je pensais pas que ça serait aussi égal à un niveau PC, par exemple. Et au niveau des couleurs, au niveau des, du contraste et tout ça, ça m'a bien plu. En termes de gameplay, en termes de jeux vidéo de base, c'est très intéressant en tout cas. Je viens de finir ma première partie de Versus Fighting sur le Rock Phone avec un de mes teammates. Bon, j'ai malheureusement perdu, mais c'était très agréable. J'ai pas forcément senti de différence, que ce soit sur le Rock Phone ou par rapport à console ou quoi que ce soit. C'était même très fluide, très maniable, et au final, c'était beaucoup de fun. Un pur bonheur. J'ai testé le Rock Phone et franchement, je le trouve vraiment maniable, très léger et plutôt compact. J'ai testé quelques jeux dessus et je pense que la différence entre le 60 Hz et le 80 Hz est vraiment visible. Donc c'est vraiment un téléphone que je recommanderais pour les gamers. Ce qui rend d'abord le Rock Phone unique, c'est tout d'abord son écran incroyable à technologie AMOLED combiné à la technologie HDR. Sans oublier bien sûr son taux de rafraîchissement à 90 Hz et son temps de réponse de 1 milliseconde. Côté performance, le Rock Phone est le seul smartphone aujourd'hui à utiliser un processeur S845 optimisé en partenariat avec Qualcomm. La particularité du Rock Phone, c'est aussi son écosystème d'accessoires qui vient améliorer l'expérience de jeu sur mobile, ce qui en fait à date le meilleur smartphone pour jouer.